Une décision brutale, qui fait suite à l'interview calamiteuse qu'il a accordée à la BBC ce samedi 16 novembre, contre l'avis de son conseiller en communication. À la lecture de la lecture, ce dernier a d'ailleurs pris la décision de démissionner, et lâcher le prince Andrew dans cette tourmente médiatique qu'il avait prédite. Ce mercredi 20 novembre, dans un communiqué envoyé aux rédactions britanniques, le prince Andrew annonçait que la reine Elisabeth lui a donné l'autorisation de prendre congé de toutes ses missions, et a décidé de se retirer de la vie publique. Il est devenu clair pour moi ces derniers jours que les circonstances de mes liens passés avec Jeffrey Epstein sont devenues une perturbation majeure du travail de ma famille et du mien. J'ai demandé à Sa Majesté si je pouvais me retirer de mes engagements publics dans un avenir proche, et elle m'en a donné la permission, a expliqué le prince Andrew dans son communiqué. Il a toutefois tenu à réaffirmer regretter d'avoir entretenu une amitié avec Jeffrey Epstein pendant plusieurs années, et souhaite venir en aide à toutes les femmes qu'il a abusées. Université et entreprise le boycott, je continue de regretter sans équivoque l'amitié illusoire qui me liait à Jeffrey Epstein. Son suicide a laissé de nombreuses questions sans réponse, en particulier pour ses victimes. Je ne peux qu'espérer qu'à terme, ces femmes-là pourront reconstruire leur vie. Et, bien évidemment, je suis prêt à les aider, a déclaré le prince Andrew. Le fils d'Elisabeth tente d'éteindre l'incendie qu'il a provoqué le week-end dernier, et enchaînant les arguments douteux concernant l'amitié qu'il partageait avec Jeffrey Epstein. Il se voit reprocher un comportement indifférent. Depuis, l'interview du prince Andrew a des retombées économiques désastreuses pour la famille royale. L'opérateur British Telecom a annoncé ce mercredi qu'il refusait de poursuivre sa collaboration avec le prince sur le programme de financement d'apprentissage du numérique qu'il parrainait. Aussi, trois universités australiennes, situées à Queensland et à Melbourne, ont annoncé elles aussi qu'elles boycottaient dès à présent l'association Pitch @palace du prince Andrew, qu'il a créée pour venir en aide aux auto-entrepreneurs et aux start-up. Les banques londoniennes se désolidarisent à leur tour outre le boycott à l'international de plusieurs entreprises, banques et universités, la polémique fait aussi des dégâts au Royaume-Uni. Ce mercredi 20 novembre, l'Université métropolitaine de Londres a fait savoir qu'elle envisageait de retirer au duc son titre de parrain. La banque londonienne Standard Chartered a elle aussi décidé de mettre un terme à leur partenariat avec le prince, pour des raisons commerciales. La banque Barclays, aussi située à Londres, se dit préoccupée par la situation, et va réexaminer sa position. L'affaire est loin d'être terminée. Step up.